Bonjour à tous. Cette semaine, on reste motivé et on s'attaque au gainage. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un gainage dynamique. Hop, en gardant les abdos bien serrés, on va monter et descendre sur les mains. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice, on peut complexifier avec la position de l'araignée. Donc vous décalez vos mains et vos pieds vers l'extérieur du tapis. Le tout en restant bien gainé. On va faire une rotation du corps, on garde un avant-bras au sol et on tourne le buste. Il faut surtout garder l'épaule basse et le tronc gainé. Sur l'avant-bras, le coude à la hauteur de l'épaule et on va faire de petits mouvements au niveau du buste. Si c'est trop facile, on peut le faire sur une main. Alors, pour les lombaires, on se met en position sur le dos, les pieds au niveau des mains lorsque les bras sont allongés. On va placer les mains sur les épaules pour éviter de se faire mal, de pousser avec les mains sur le sol. Et on va lever le buste et on va bien rentrer les abdominaux en serrant le nombril contre la colonne vertébrale. Et ensuite, on va lever les jambes. Là, il faut bien rester gainé pour garder le corps à la même hauteur. On amène les bras vers l'avant, on regarde vers le sol pour éviter de se faire mal à la nuque et on serre bien les abdominaux. Si c'est trop facile, on lève les jambes. Et si c'est encore trop facile, on peut faire des petits battements. On part ensuite à genoux. On va éloigner progressivement les mains le plus loin possible des pieds pour arriver en position araignée. Vous descendez le plus possible sans creuser le dos. Et puis, on revient à la position initiale. On va ensuite repartir de cette position, donc le corps est bien gainé surtout, et les épaules au niveau des mains. Et on va ramener une jambe vers le coude opposé. Si c'est trop simple, vous pouvez faire le coude opposé et le coude qui correspond à la jambe. On enchaîne. On va ramener les pieds le plus près possible des mains. Hop. On garde le dos le plus droit possible. Si c'est trop facile, on va le faire simultanément en faisant des petits bonds. On va lever les genoux, on va attraper les cuisses derrière les genoux et on va avoir le dos bien droit et on maintient. Si c'est trop facile, vous remontez les jambes le plus possible. Et attention, l'écartement entre le buste et les genoux ne doit pas changer. Entre les deux, vous pouvez tendre les bras de haut. Soit sur les genoux, soit sur les pieds, toujours le tronc gainé. On va emmener les épaules vers l'avant en gardant les coudes à la même hauteur jusqu'à ce qu'on arrive à 90 degrés. Bon, après tout ça, vous savez bien qu'on fait les simulations de tir à l'élastique. Si vous avez vos arcs, c'est parti pour les temps tenus. Bon allez, c'est parti, c'est à vous. Allez chercher votre plus belle tenue, une bouteille d'eau et en route pour l'exercice.